salut, salut, et on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille, donc cette fois format Meeting Engagement, qui opposera ma Légion du Deuil contre les Fire Slayers de Leda. Exactement. Donc le joueur renommé quand même sous ses Stormcast et ses Nighthaunt. Ouais. Et ses cornes. Surtout les cornes. Donc bah écoutez, format Meeting Engagement, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si ça vous plaît, le petit bouton en bas à droite, et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, nous jouerons le scénario de Meeting Engagement Borderline. Donc il y aura trois objectifs répartis sur la diagonale de la table. Le joueur qui contrôlera le plus d'objectifs à la fin du round de bataille remportera 3 points et 2 points pour la bâche, comme dans les autres scénarios en Meeting Engagement. On va commencer avec la présentation de ma liste en Légion du Deuil. Donc mon avant-garde sera composée de 2 packs de 5 Blade Guests. Donc c'est une unité d'élite qui sature pas mal et qui a la capacité particulière de pouvoir désengager et charger dans le même tour. Pour les accompagner, j'aurai un Spirit Tourment qui a la capacité de faire relancer les jets de touche de 1 à tous les Nighthaunt, et avec les Blade Guests c'est particulier puisqu'ils relancent toutes leurs touches. Mon corps principal sera composé de 20 Chain Rasp, donc c'est mon unité de ligne qui est assez forte puisqu'elle sature pas mal, elle a 2 attaques par tête, ils ont une save éthérée à 5, et tant que le Dread Warden est en vie, ils ont 10 de bravoure. Pour les accompagner, j'aurai un Guardian of Saul, il a comme capacité d'ajouter 1 à la blessure à tous les Nighthaunt qui sont entièrement à 12 pas. Je lui ai mis le sort de Red West Ring de la Légion du Deuil, qui se lance à 18 pas et sur une valeur de 5, je fais une unité ennemie qui aura moins 1 à sa save. Mon général sera le Knight of Shroud monté, donc il a pour un point de commandement, il choisit une unité entièrement à 18 pas qui aura plus une attaque sur chacun de ses profils d'armes. Il se déplace de 12, rien de particulier pour lui. Et en arrière-garde, j'aurai 2 Morghast Harbinger, donc qui charge à 3d6. Donc ils peuvent quand même aller chercher des unités sniper à 18 pas, ils ont 5 attaques par tête, reine moins 1, donc c'est assez solide. Ils donnent un malus à la bravoure de moins 1, et avec ça j'aurai ma Banshee, qui à chaque phase de tir utilisera une aptitude qui infligera des blessures mortelles dépendamment de la bravoure adverse. Voilà, donc c'est tout pour ma présentation de liste Légion du Deuil, Meeting Engagement. On se retrouve donc pour la présentation de la liste Fire Slayer en Meeting Engagement 1000 points. Alors, mon avant-garde se comporte d'un Battlesmith et de 10 Vulkid Berserker. Donc, le Battlesmith, c'est un héros de soutien qui booste l'armure des alliés alentour. Et les Vulkid Berserker, c'est la troupe de base des Fire Slayer. C'est costaud, ça tape relativement bien. Et ça peut notamment taper une fois qu'ils sont morts, ça les rend très polyvalents. Le Battlesmith possède également l'icône des ancêtres qui permet d'augmenter la portée de sa capacité de 12 à 18 pas. Mon corps principal se comporte de 10 autres Vulkid Berserker, donc toujours là pour tenir la ligne et taper contre tout ce qui bouge, ainsi que d'un Grimrass Berserker, donc un héros de corps à corps extrêmement bourrin, qui possède les brassards de Bressfer lui donnant plus 1 en sauvegarde d'armure. Enfin, pour compléter le tout, il se trouve un Auric Runesmiter sur Magmadroth, mon général. C'est un prêtre, un héros de soutien très puissant, qui peut notamment, avec la prière des cendres, augmenter la sauvegarde d'armure de 1 d'une unité, et il possède le Home d'Obsidia, qui permet d'avoir plus 2 PV. Et enfin, mon arrière-garde est composé de 5 Auric Earthguards. Ce sont des troupes de tir extrêmement efficaces contre les monstres, puisqu'ils ont une chance sur 2 de leur diviser leur mouvement et double leurs dégâts contre ces derniers. Et enfin, pour compléter mon armée, se trouve la Forge Magmatique, qui permet à mon prêtre d'avoir plus 1 pour ses jets de lancement de prière, et qui peut également la consumer une fois par partie, définitivement, pour donner une relance de 1 en sauvegarde pour toutes les unités sur le champ de bataille. Enfin, mon prêtre peut invoquer un Molten Infernote, qui est une créature faisant des blessures mortelles à l'entour et augmentant la bravoure de mes unités. On se retrouve suite au déploiement. Donc c'est François en Fire Slayer qui a pu commencer à poser en premier. Avant ça, on a regardé le décor. Donc ce bateau ici est un décor maudit, c'est-à-dire qu'en face de héros, on peut sacrifier des 3 PV pour relancer les 1 à la touche. Ce décor ici est un décor exaltant, plus 1 à la bravoure. Décor ésotérique, plus 1 au lancement de sort, plus 1 au dispel. Décor fatal, si on passe à un pas sur un 6, on prend des 3 blessures mortelles. Donc François va nous expliquer son déploiement. Avant ça, simplement pour ce scénario, on déploie en premier le corps principal sur la partie arrière droite de sa table de façon symétrique. Comment tu as déployé tout ça? Alors c'est très simple, j'ai mis mon Auric Runesmiter au centre afin d'avoir une meilleure couverture sur tout le haut de la table. Ça m'a permis également d'invoquer ma Forge Magmatique à 6 pas de lui pour augmenter la puissance de ses prières. Enfin, mes Vulkid Berserker ici ont été déployés pour rapidement prendre les objectifs au centre et à l'extrémité. Et mon Grimrass Berserker est de ce côté-là pour aller chercher l'objectif de ce côté-là. Courageusement caché.
c'est ça. Lâche. De mon côté, énorme armée, j'ai mes deux héros qui sont ici et mes 20 chaînes races qui sont en frappe en profondeur, mais en fosse commune. Du coup, c'est François qui finit de déployer en premier parce qu'on avait 3 poses chacun. Est-ce que tu prends le premier tour? Oui. Et donc, on va passer au premier tour côté Fire Slayer. Début de la phase de héros côté Fire Slayer. Alors, en premier lieu, je dois commencer par choisir une rune d'Ur-Or à activer. Je vais prendre la rune de préscience qui ajoute plus 1 au jet de touche des attaques avec mes H2G. Et ce sera simplement ajouter 1 au jet de touche. C'est ça, parce que sur un 6, ça critique. Ouais. On se retrouve pour la suite de la phase de héros. Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Alors, en premier, je vais activer la forge afin de donner plus 1 au jet de prière de mon Runesmitter. Ensuite, il va lancer la prière des cendres sur unité de Vulkit qui va permettre du coup sur un 2+, un 3+. Qui va permettre sur un 3+, d'avoir plus 1 en sauvegarde d'armure. Et ça passe, plus 1 en sauvegarde d'armure. Il va ensuite lancer le renforcement runique sur la même unité, qui permet sur un 2+, d'avoir une relance des blessures. Ce qui passe également. Excellent. Et enfin, il va invoquer le Molten Infernaut sur un 3+, sur un 2+. Et ça passe. Le Molten a été placé, celui de la phase de héros. Et enfin, il va se déplacer de 2 décipas. De 6. Sympathique. Pour arriver vers le milieu de la table. Et voilà, c'est la fin de la phase de héros. Et on se retrouve tout de suite à la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de mouvement côté Fire Slayer. Qu'as-tu fait? Alors, c'était extrêmement stratégique en fait. Tout le monde a couru tout droit vers les objectifs sur leurs petites pattes. Glorieusement. Malheureusement, personne n'est apporté les objectifs, mais ça, je m'y attendais. Très bien, donc pas de phase de tir. Ni de phase de charge, ni de phase de corps à corps. C'est donc à toi. Très bien, on va passer au premier tour côté Légion du Deuil. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de héros que je n'avais pas, puisque j'avais rien de particulier à faire pour ma phase de héros, et donc à la phase de mouvement côté Légion du Deuil. Mes deux héros ont couru, ont fait une course à 4, donc déplacement sympathique de 17 et de 8. Et mon général a activé 7 fosses communes ci pour activer les chaînes rasp et les déployer sur les deux objectifs. Et j'ai rien d'autre à faire, je veux surtout pas me faire impacter tout de suite par le magma drot. Mais si, t'en as envie. Et c'est donc la fin de ma phase de move. J'ai pas de tir, c'est donc la fin de mon tour. On va faire le décompte des points. Il n'y a pas eu de mort, pas eu de bâche ce tour-ci. Et tu as plus de points que moi. Tu as plus d'objectifs que moi. C'est ça. Ça fait donc 3 points à 0. Ça fait donc un score de 3 à 0 côté Légion du Deuil. Petite précision, on a déployé à la fin du tour un Fire Slayer ce pack de Vulkit. Et je vais maintenant à mon tour déployer mes Blade Guest et mon Spirit Tourment sur la partie droite de ma table. On va pouvoir tout de suite passer au jet d'initiative. C'est parti dans la petite Nolpe. C'est un 5. 2. Et je vais réfléchir. À la fin de mon tour, j'ai pu déployer mes 2x5 Blade Guest avec le Spirit Tourment. Donc les 5 qui sont derrière, c'est une unité. Les 5 après, c'est l'autre unité. Ensuite, on a le Molten. Qui va disparaître normalement entre 1 à 3. Mais comme il y a un prêtre qui est à 6 pas de lui, c'est uniquement sur l'état de 1 et 2 qui disparaîtra. Parti. C'est un 6. Il restera. Très bien. Et donc on a vu que c'est moi qui avais récupéré l'initiative et donc je vais prendre ce tour. Donc je vais gagner. T'es sûr? Oui, je vais prendre ce tour, je suis certain. Donc je vais gagner 1 point de commandement, je vais avoir 2 points de commandement. Je vais tenter de lancer un Mystic Shield avec mon Spirit Tourment sur le pack de chaînes rasp. C'est parti. C'est un 7. Je ne dissipe pas. Tu n'as pas de dissipation. Et c'est tout pour ma phase de héros. Je vais passer à la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la phase de héros pour la phase de mouvement. Qu'ai-je fait? Alors, mes Blade Guests qui étaient en bord de table ont fait une course à 1 pour les premiers. Donc, ils ont pu tout juste aller chercher l'objectif. Les deuxièmes ont fait également une course à 1. J'ai payé 1 point de commandement pour qu'ils se déplacent de 6. Mon Spirit Tourment a suivi un peu comme il pouvait à la bourre. L'idée c'est que ce petit gars n'aille pas découper les deux packs, c'est pour ça que j'ai mis 2 figurines de chaque pack sur le bio. Ensuite, j'ai redirigé avec les chaînes rasp qui heureusement ont fait leur course à 6, donc sans payer, donc ils se sont déplacés 12 vers cet objectif là. Et puis j'ai placé mes héros juste derrière. Et voilà, donc c'est tout pour mon tour, il n'y a pas de charge, tout le monde a couru de toute façon. Je n'ai pas de tir, je vais pouvoir déployer la dernière partie de mon armée. Et on va passer au deuxième tour côté Fire Slayer. On se retrouve donc suite à la fin de mon tour pour le deuxième tour côté Fire Slayer. On commence avec la phase de héros. Alors en premier lieu, je vais activer ma rune d'Ur-Or et je vais activer la rune de Zèle Implacable
qui donne plus 2 de mouvement à toutes les unités Fire Slayer sur la table. Et sur un 6, non, ouf. Sur un 6, ça aurait fait plus 2 en charge et je connais quelqu'un qui n'aurait pas aimé. Je vais également activer ma forge ici pour donner plus 1 au jet de prière de mon Runesmiter. Mon Runesmiter va utiliser le renforcement runique sur le Grimrest Berserker pour faire relancer les blessures sur un 2+. Ça passe. Il va également. J'en connais un qui aurait aimé lancer les dés dans l'autre sens. Il va également utiliser la prière des cendres sur le même Grimrest Berserker pour lui donner plus 1 en save sur un 3+. Ça passe. Et également, mon Molten Infernal va se déplacer de 2 dés 6 pas. C'est joli, donc 2 10 pas. Il sera trop loin pour faire quelque chose, mais il se rapproche un petit peu. Très bien. Et on va prendre la phase de héros. Ou pas. Et non, parce que mon Battlesmith va également activer son porte-étendard qui fait que toutes les unités Fire Slayer dans un rayon de 18 pas auront fait ça en sauvegarde d'armure. Très bien. Fin de la phase de héros. Fin de la phase de héros. On se retrouve suite à la phase de move. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de move côté Fire Slayer. On va commencer dans l'ordre. Alors, des dés. Sur ce flanc, les Vulkid Berserker ont couru. Bon jet de course à 6 et à 5 de ce côté-là. Le Battlesmith les a suivis en se mettant un petit peu à l'abri afin de bien les protéger pour qu'il reste dans l'aura. Le Molten Infernote a avancé de 10 pas vers l'adversaire, encore trop loin pour faire quelques dégâts, mais ça met un peu de pression. De ce côté-ci, le Magma Rot et le Grimrest Berserker ont avancé vers l'ennemi, prêts à leur faire tâter de quelques coups de hache. C'est parti, donc je pense qu'on va passer à la phase de tir. Oui, alors la phase de tir, j'ai pensé par le Grimrest Berserker, il a un tir de hachette à 5+, 5+. Ça ne fait rien, naturellement. Excellent. Le deuxième, le Runesmiter, qui va tirer sur cette unité là-bas, sur un 5+, l'a raté également. Et enfin, j'ai le torrent de feu rugissant. Ça, c'est le magma. Oui, où je choisis une unité, je dois lancer un dé, 6, et faire moins que l'onde de figurine. On se retrouve donc pour le tir du magma drop. Qui va donc tirer sur cette unité, le torrent de feu rugissant. Je lance un dé, 6, je dois faire moins ou autant que l'onde de figurine de l'unité adverse. Donc, comme j'en ai 5, tu vas faire 6. Excellent. David, ça aurait été sur laquelle décide sur mortel, là je le regrette. Fin de ma phase de tir, donc début de la phase de charge. Mon magma drop va charger. Ça va être assez rapide. Magnifique charge à 10. Il aura impacté tout le monde. Étonnamment. Et le Grimrest Berserker va également charger. Il charge à combien? C'est une charge à 6 ou 7, quelque chose comme ça. C'est parti. Ah. Charge à 4, j'ai déjà un point de commandement pour relancer la charge, donc c'est un héros. Et il en reste. Charge 8, ça va le faire. C'est bon. Et on se retrouve au début de la phase de combat. On se retrouve donc pour le début de la phase de combat avec la première activation côté Fire Slayer. Et le Magma Drot va taper du coup cette unité ici. Il a plus une attaque grâce à son trait de commandement Greyfield qui lui fait plus une attaque sur toutes ses armes de mêlée s'il y a 5 figurines ou plus ennemis autour de lui. Je vais donc commencer par les griffes et cornes, 7 attaques, 4+. Ça me va. Pas mal. Blesse. Sur 3+. C'est moins bien. On va commencer par 2 saves. 2 saves normales. 2 saves à 4. Attends. C'est bon. Deuxième arme. Suivi de la gueule brûlante. 2 attaques à 4+. 3+. 2+, pardon. 3+. Une save à 4. Ça tank. Et 2 attaques à 3+. Ça ne fait rien. Rien du tout. On se retrouve pour la première activation côté Légion du Deuil. Donc j'ai mes 5 Blade Guest qui vont taper dans le... Comment qu'il s'appelle ? Le Grimrest Berserker. Voilà, qui a seulement une save à 2. Donc ça va être un petit peu délicat, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de le loquer pour qu'il puisse pas aller engager là-bas. Donc c'est parti, j'ai 10 attaques qui vont toucher sur du 3. Je relance tout parce que je suis à portée du Spirit Tourment. Un échec. C'est vraiment trop nul. Je blesse sur du 3. 1, 2... 3 échecs, et donc tu as 6 sauvegardes, rien de moins 1. 3+. Je perds 2 PV, mais le Grimrest Berserker c'est d'une invulnérable à 5+, dans cette situation-là. Dans une situation de crise. Ouais, il perd donc un petit PV. Très bien. Deuxième activation côté Fire Slayer, activation du Grimgas. Grimrest Berserker, 4 attaques, 3+. Ça passe bien. 3 attaques. 3+, relançable. Et ça te fait 3 saves sans rend du coup. Sans rend, normalement c'est rend moins 2, dégâts 2. C'est là qu'on veut pouvoir
4 morts, et comme je suis à 6 pas de mon héros, j'ai donc 4 feel no pain sur du 6. Dommage, c'était pas mal si j'ai fait ça au save. On passe à ma deuxième activation avec les Black Guests qui sont là-bas. Alors, un petit peu particulier, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas mal de Black Guests, je voulais en faire taper le moins possible, parce que je peux me prendre des retours de BM sur un 4+, en retour. Avec le sang volcanique du Magma Rot. C'est donc, ça. T'as pas vraiment envie de le taper, généralement. C'est ça. Du coup, j'ai voulu en faire que taper, j'ai voulu en faire taper que 3, alors que j'aurais pu en faire taper 5. Donc, j'ai seulement 6 attaques, et là, j'espère que ça loupe. Et donc j'ai fait 2-1, sauf que j'ai surtout pas envie de les relancer, puisque j'ai surtout pas envie de le taper, parce que j'ai surtout pas envie de me prendre des BM. Donc je ne vais pas relancer mes 2-1 qui étaient ici. J'ai donc 4 jets de blessure sur du 3. Et là j'espère vraiment me louper. Oh la vache. Magnifique. Je me fais 4 saves à 5+, seulement. Oh la vache. Et j'en perds 4. Non, sur un 4+. Sur chaque 4+, c'est une blessure mortelle. Ça fait 2 blessures mortelles. Et 2 feel no pain à 6. Et je perds 2 autres Blade Guests. Fin de la phase de combat. Il se passe encore quelque chose. J'ai une capacité qui s'appelle la queue cinglante avec le Magma Rot. Donc toutes les unités ennemies à 3 pas de lui, je lance un dé. S'il y a moins, si le rotel du G est inférieur au nombre de figurines de l'unité adverse, c'est D3 mortel. Tu n'as donc que 3 figurines. C'est ça. Donc on va commencer par le pack de 3. Je dois faire 1-2. Non, c'est bon. Ils s'en sortent. Ils ont été chanceux. C'est tout, non, tu m'as dit? C'est là, je peux pas faire moins de 1. Donc, c'est 1 strictement. Ouais. Très bien. Et il reste ensuite le Grimoire Berserker qui va retaper sur un 2+. Allons-y. Oui, il va retaper et je vais le faire piline. Alors on va retirer les figurines avant pour que ça soit plus clair et on se retrouve après. On se retrouve donc pour l'activation du Grimoire. Donc de mon côté, j'ai retiré un Blade Guest de chaque côté pour la simple et bonne raison que je voulais rester à 9 pas de cette fosse commune au cas où je récupère le tour d'après pour les ramener évidemment. Donc le Grimoire. C'est parti. 3+. C'est pas mal. 3+. Tu as donc 3 save pour ton dernier Blade Guest. 3 save à 4. Encaissé. Encaissé. On va voir si c'est un dieu. C'est un dieu. Je suis dégoûté. Fin de la phase de combat. C'est ça? Oui, c'est la fin. Moi, je n'ai rien d'autre activé. Donc, concernant les objectifs, que se passe-t-il? Celui-ci est toujours pour moi. Oui, et tu as plus de figurines. Celui-ci est pour moi. Très bien. Et celui-là est encore pour toi, malheureusement, parce que je n'ai pas réussi à tuer ces deux Blade Guys. Du coup, je marque 3 points. Et je t'ai par contre tué plus de figurines. C'est ça. Plus de PV, ce qui me donne 2 points. Et donc, on était sur un score de 3-0. Donc, nous sommes à 6. 6 à 2. Et on va passer tout de suite. Tu as quand même des unités à ramener. Tu as d'abord ton arrière-garde à ramener aussi. Oui, et également voir si mon Molten Infernal disparaît. On va regarder ça tout de suite. Il va en effet disparaître. Et on se retrouve pour la suite. On se retrouve donc pour le jet d'initiative du tour 3. C'est parti. Oh, c'est pas vrai. Il est triste et je vais faire semblant de réfléchir. Et on se retrouve après. On se retrouve donc suite à ma prise de tour. Pas très étonnant. Donc je vais commencer tout de suite, on va activer les fosses communes. Donc on se retrouve, la fosse commune qui est ici va tenter de ramener des 3 Blade Guests, enfin elle va ramener des 3 Blade Guests. C'est un 3, donc je vais ramener 3 Blade Guests. Ensuite, mon sorcier qui est ici va lancer un Dread Withering sur ce pack de Vulkit, ça passe sur du 5, ça met un moins 1 à la save. Je fais 10, et c'est à peu près tout pour ma phase de héros. Rien d'autre à faire, on va passer à la phase de move. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de héros, début de la fin de la phase de move, même côté. Légion du deuil, qu'ai-je fait? J'ai désengagé tout le monde, alors eux n'ont pas couru. Ils se sont mis à 3 dans l'objectif de les wipe instantanément. Ensuite, mon Spirit Tourment s'est mis ici pour procurer l'aura et en même temps obliger le joueur Fire Slayer, donc François, à faire un choix. Donc, a priori, il ne pourra pas prendre tout, donc ça risque d'être très compliqué de prendre l'objectif. Tant pis s'il meurt, c'est pas dramatique. Ici, j'ai complètement abandonné le milieu de table, je pense que ça se voit. Ici, alors, mes Shane Rasp, le plan, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils se sont mis à 3 autour des Vulkit, en espérant qu'ils réussissent à charger le héros qui est là-bas. Et à ce moment-là, je me rabattrai sur les Vulkit sans qu'eux aient pu me taper. Donc ça, c'est très intéressant à faire, surtout sur des unités qui tapent en premier. Pensez au tour 3 Idonette, quand on a l'occasion de faire ça, c'est très cool. Mes Morghast ont avancé de 9, ma Banshee a avancé. Phase de tir. Donc ma Banshee a couru, par contre c'est une aptitude en phase de tir, donc elle peut courir et effectuer son cri en fonction de la bravoure adverse. Donc elle va crier sur les Vulkit, les Vulkit ont une bravoure à 7. 7, donc moins 2 parce que mon général met moins 2, moins 1 parce qu'on est à portée des unités de la Légion du Deuil,
et moins 1 supplémentaire parce qu'on est à moins de 6 pas des Morgaz. Donc moins 4, passe à 3 de bravoure. C'est ça, donc on va prendre 2 D6 moins 3 BM. Et là, on fait un double 1. Donc ça fait 7, ça fait quand même 4 BM. Sur mortel, ça va faire 2 morts. On va enlever lui et lui. C'est ça, et on se retrouve suite à la phase de charge. On se retrouve donc suite à la phase de charge. Donc les Blitzgast là-bas avaient une charge à 3, c'est passé. Ici, ils avaient une charge à 6, à 3 D6, donc c'est aussi passé largement. Et ensuite, mes Shainras, pour acheter un peu triste, j'avais une charge à 6 à faire pour aller chercher le gars. J'ai fait double As, j'ai payé mon point de co et ils ont fait une charge à 5. Donc c'est un peu mieux parce que j'ai pu récupérer quand même une unité pour la charge, c'était important. Mais ça ne me permettait pas de tout sécuriser. Voilà. Donc, début de la phase de combat, je vais payer un point de commandement pour que mes Shainras aient 3 attaques par tête. Et de mon côté, je vais activer la Führer Berserk des Vulkid Berserker qui fait qu'ils pourront taper lorsqu'ils seront morts. Très bien, et on se retrouve tout de suite pour la première activation côté Légion du Deuil. Donc on se retrouve pour le début de la phase de combat. J'ai décidé d'activer en premier mon pack de Shainrasp, qui a donc 60 attaques plus une avec le boss. Ils ont 3 attaques chacun, plus une pour le boss. Donc c'est parti, 61 attaques qui vont toucher sur du 4, et ensuite, grâce au Guardian of Soul, ils blesseront sur du 3. Comme ils sont plus de 10, ils relanceront les 1. Donc c'est parti, on va commencer par les 30 premières attaques qui touchent à 4. Pas mal. On se retrouve donc pour la deuxième moitié de la salve, donc qui touche sur du 4. Oh, ça a l'air pas mal du tout. Sur la deuxième salve de 30, il y en a 18 qui sont passés en 4+, donc c'est très beau. Donc ça me fait 34 jets de blessure en 3+, relance des 1. Alors, il y a du 1. Il y a pas mal de 1. Il y a beaucoup de 1. Ça manque de 2, je crois. C'est vrai qu'il y a quasiment pas de 2. Et donc là, c'est du 3+. Oh. Et voilà. Et donc du coup, on va compter ça, mais ça a l'air quand même assez sévère pour les sauvegardes. On se retrouve donc pour les jets de sauvegarde. Donc il y en a, il y a 27 jets de sauvegarde. Ouais, sur 4 plus. Parce qu'il y a le moins 1 à la save, c'est parti. Ça va être très facile, vous allez regarder. Admirez. Ouh, c'est mauvais. Ouh, c'est abominable. Ouh là là. J'ai l'impression qu'il y en a... Oh non, ça va. En fait, il y a non, des zones. Non, ça va pas du tout. Non. C'est le pire 4 plus de ma vie. C'est nul, c'est horrible. 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, ça fait 17 PV, ça veut dire qu'ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir. Ils vont donc tous retaper. Exactement, donc on se retrouve pour la tape des Vulkites. On a donc 8 Vulkites qui vont taper, donc ça nous fait 16 attaques plus une avec le chef. Ouais. Donc c'est parti. 3 plus. Touche à 3. C'est pas... C'est mieux. Ça n'a pas l'air fifou. 3 plus, ensuite... Point de mieux, ça te fait 8 save, ça fait 7 save à 5+. C'est parti, donc je suis éthéré, j'ai 7 save à 5+, c'est pour combien de dégâts? Un dégât. Ça m'en fait une seule, et ensuite j'ai mes 6 feel no pain sur du 6, puisque je suis à portée de mes héros, donc dans les 6 pas. Et ça me fait 5 morts dans les Shainras, pour pouvoir passer à la première activation côté Fire Slayer. On passe à la première activation côté Fire Slayer, donc avec les... Zorik et Asgard qui vont essayer de emporter un ou deux Bladegeist dans la tombe avant de mourir. Attaque sur du 3+, 3+. C'est pas mal. C'est pas mal, tu as 3 saves à 4+. 3 saves, donc 3 saves à 4. Et je réussis tout, je suis éhonté. Voilà, donc on va passer à mon activation et je vais activer mes Morgast. On va donc passer à l'activation des Morgast. Donc ils ont chacun 5 attaques par tête. Donc c'est 3. 5 attaques par tête. Ça fait 10 attaques qui vont toucher sur du 3. C'est pas mal. C'est bien. 7. Toujours stat. 6, 66. C'est parti. Blessé sur du 3. C'est bon, bien. C'est un peu moins stat. On a 4 sauvegardes. Rend moins 1. Donc sur du 4 plus. Il peut perdre 2 PV. 2 PV. Et ça va être à son tour de taper ensuite. Il va massacrer un de tes Morgast tout seul. 3+, 3+. 4 attaques qui touchent à... Pas top. 2 touches. Il blesse 3 à 3. 2 oui. Save à moins 1. 2 save à 5. Dégâts 2. Dégâts 2, je suis pas à portée des héros, donc je n'ai pas de feel no pain, donc ça me fera 2 dégâts dans les Morgast. C'est ça, et du coup je vais en profiter tout de suite pour activer mes Bladegeist qui sont là-bas. Donc il a été cloué. Cliquer, donc il ne peut plus bouger. Donc j'ai 3 attaques par tête parce que j'ai chargé. Je suis dans l'aura du spirit de tourment, donc je relance toutes les touches. Donc je vais toucher sur du 3, relance de tout. Dieu merci. Hop, il m'en reste un 1, s'il vous plaît. Oui, c'est vachement mieux.
Et ensuite, je vais blesser. Donc, j'ai 11 attaques qui vont blesser. Oh putain, je suis pas doué, qui vont blesser sur le 3. Joli. Une seule. Jetée. Donc, ça me fait 10. 10 save à 6. Rien de moins 1. 10 save à 6, du coup. 1, 2, 3. Ça devrait. Ils devraient tous mourir normalement. Un PV. 2 PV chacun. 2 PV. Arrête d'effaire ce qu'il y a. Pardon. Ça, c'était pas un 6. Oui, ça fait. Je perds. 4 gars. 4 gars, il m'en reste 1. Fin de la phase de combat. J'ai un battle shock à faire pour les faire là-bas. Donc à moins 5. 3 et. Ça fait 8. Donc tu as une barbore de 7, il me semble. On se retrouve donc pour le début du tour 3 côté Fire Slayer. Alors là-bas, il y avait un test de déroute. C'était un 7 de bravoure, donc avec les 4 pertes et le malus de Légion du Deuil. Ça fait que le dernier est parti. C'est donc à mon tour, je vais activer la rune de Führer qui me permet de relancer les jets de touche de 1 pour les attaques utilisées par l'unité Fire Slayer Ami. Et ce sera juste une relance des touches de 1. Ensuite, je vais ici lancer la prière des cendres sur mon Grimoire Berserker pour lui donner un plus 1 save, sur un 4+, ça ne passe pas. Je vais également tenter de faire un renforcement runique sur mon magma droite pour relancer les blessures sur un 3+, ça ne passe pas. Et je vais tenter d'invoquer le Molten Infernote sur un 3+, ça ne passe pas. Et mon Battlesmith va invoquer, réaliser sa bannière, et c'est la fin de ma phase de héros. On se retrouve pour la phase de move. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de move. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. Les Vulkites ici se sont dirigés vers les Morghast pour essayer de les finir. Et de ce côté-là, on s'est mis au milieu de tout le monde pour charger dans le tas, tirer dans le tas, essayer d'en emporter le maximum avec soi. Alors, d'abord, phase de tir. Je vais commencer par les jets de hache. J'ai deux petits jets de hache ici que je vais mettre dans le héros sur du 5+. Aucune touche. Ici, tous mes Vulkites ainsi que le Battlesmith vont lancer leur hache. On est donc sur 11 G de hache, sur du 5+, 5+. C'est ça. Relance les 1. Alors, ça m'a rien utilisé. Il y a un petit 1. Ça va faire donc 3 touches. Sur un valeur pour vous, donc de moins, ça fera faire rien du tout. Et ensuite, j'ai mon tir de magma que je vais faire sur cette unité ici. Est-ce que tu as fait ton tir du bonhomme dessus ou pas? Oui, le tir de la hachette. Ok, t'as fait en même temps, d'accord. Donc le tir du magma, je fais un des 6, faut que je fasse égal ou moins que le nombre de figurines dedans. Et je rate encore. Fin de la phase de tir. On se retrouve pour la phase de combat. On commence donc avec la première activation côté Fire Slayer en phase de combat. Toutes mes charges ayant réussi. C'est ça, j'ai oublié. Je vais commencer en premier avec le Battlesmith avant qu'il se fasse massacrer. Le héros a tapé le spell, chercher jusqu'à le tourment là-bas entre les deux packs et ici dans les deux Morghast. 3 attaques en fait, ce n'est pas 4 attaques, je m'étais trompé, mes excuses. 3+, relance les 1. Un petit 2, ça fait pas plaisir, ça fait 2 touches. 3+, ça te fait 2 save, rien de moins 1. Dégâts 2. 2 save à 5. Une. Deux petits PV en moins. Donc deux PV supplémentaires. Donc ils ont pris 4 dégâts pour l'instant. Et on va passer donc à mon activation. À toi. On se retrouve donc pour la première activation côté Légion du Deuil. Alors ici je vais pas activer mes Blade Guest parce que j'ai surtout pas envie de me prendre des BM en retour. Le Spirit Tourment ne fera pas grand chose. De toute façon il a une save à 2, il tape comme une huître. Du coup les Morghast, la figue la plus proche pour celui du fond c'est le héros. Donc dans tous les cas j'ai pas le droit de pile-in sur les Vulkites. L'autre peut taper où il veut, mais du coup, bah, autant tenter de wipe le héros. Donc c'est parti. J'ai 10 attaques qui vont toucher sur du 3. Hop, 7. C'est... Toujours stats. Stats sur les attaques, pas sur les saves. Blesse à 3. Hop, 4 cette fois. 4 save à moins 1, donc save à 4. 4 sauvegardes à 4. Il perd 2 autres PV. Lui aussi, il s'en sort bien. Deuxième activation côté Fire Slayer. On va activer le Grimoire Berserker qui a peut-être réussi à tuer quelque chose cette fois sur du 3+, relance les 1. Un petit 2, toujours. 3+. Tu as donc 3 saves à 4+. Comme d'hab, je suis éthéré, j'ai 3 saves à 4. Quel talent. 2 PV en moins. 2 PV, j'ai 2 Field No Pain à 6. Non, 2 PV en moins pour le Spirit Tourment. Et on va passer à mon activation. Retourne pour mon activation, j'ai surtout pas envie de taper avec les Blade Guest, c'est la même histoire. Donc j'ai toujours l'aura de relance, c'est du 4+, 3+, j'ai 3 attaques qui touchent à 4. Relance des 1, c'est son aura. 3+. Non, rien de moins 2. J'ai une save à 3+ de base grâce à mon objet magique, je passe donc à 5+. J'en rate une. Il y avait une seule qui passait. C'était une seule attaque qui passait sur les deux. Ah ok. Donc je laisse lancer un dé.
ne passe pas. Donc D3 dégâts. PV. 2 dégâts. Et j'ai 2 invus à faire sur 5 plus. Que je rate, je perds donc 2 PV. On se retrouve pour l'activation du Magma Rot. Dans Transmitter, il a donc 5 attaques avec ses griffes et cornes en comptant mon bonus. C'est ça, parce que tu as 5... 6 attaques. 5 attaques là, donc plus 1. Car en fait, sur son profil, j'ai plus 1 attaque sur chaque profil d'arme s'il y a au moins 5 figurines ennemies à moins de 3 pas. Ce qui est le cas. Du coup, nous avons 6 attaques de griffes et de cornes sur du 4+. Plus. C'est pas brillant. Ça va. Pas de 1, non. Sur du 3+. Plus. Là, c'est pas vrai. C'est nul, tu as une save normale. Save, donc c'est sur le pack de 4, hein. Ouais. Donc, une save à 4. Dégâts 2. C'est parti. Donc du coup, je suis à portée, donc 2 films no pain à 6. Non, 2 morts. Donc, 2 attaques de gueule brûlante, 4+. Plus. Ça passe. 2+. Plus. Rennes moins, bah, pas de rennes moins du tout, save à 4. Oui. 2 des 3 PV. Ça fera 3 PV en moins. 3 films no pain à 6. Non, ils sont morts. Ils sont morts, et ensuite... non, ensuite c'est bon. Et on va passer à mon activation. J'active mes Blade Guests qui sont ici. Mmh. Donc, toujours la même blague, je ne veux surtout pas le taper. Donc j'en ai un seul, je fais un piling 2-0. Il y en a un qui est à portée. J'espère qu'il va tout foirer. Donc il a 2 attaques parce qu'il n'a pas chargé. Ça touche sur du 3. Oula. Je savais que je pouvais te faire confiance. Vas-y. Je blesse sur du 3. Ouf, j'ai ça va. Une save à moins 1, mais j'ai dans la reine moins 1 que même parfait. J'ai oublié de le préciser avant. C'est donc du 4 plus que je vais réussir malheureusement. Excellent. Et fin de la phase de combat qu'il faut quand même que j'active ici avant de m'occuper des Vulkits. Sur un, je fais un coup de queue, si je fais un 1 ou un 2, tu prends des 3 mortels. Oui, tu vas prendre 3 mortels, 3 mortels. Sur ce mec-là. Je ne suis pas à portée du héros et donc il wipe. Et on va passer à la dernière activation. Qui est celle des Vulkits Berserker. Petite bêtise, on a oublié tout à l'heure à la charge. Les Vulkits peuvent infliger des BM à l'impact. Malheureusement, les Morghasts ont déjà tapé. Donc voilà, petite bêtise. On va même le faire. Sur chaque jet de 6, c'est une blessure mortelle. Et ça fera une blessure mortelle. Une seule, voilà. Donc bon, ça n'aurait rien changé puisque le Morghast est toujours en vie. Et j'ai pris 5 dégâts dans les Morghasts. Ça fait toujours une blessure en plus. Et ensuite, activation, la vraie maintenant, des Vulkits. 10 attaques. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 6 à portée, 12 attaques. Sur du 3 plus, relance les 1. Un petit 1. C'est mal. Ah ouais, c'est solide. Avec 3 plus, relance les 1, ça reste la référence. 3 plus pour blesser, ensuite. Attention. C'est. Un peu. Moyen. Et tu as donc 7 save. C'est combien de dégâts? Dégâts 1. Bon, a priori, sauf si je loupe tout. Sans reine, non? Sans reine. 7 save à 4. J'en réussis 3, ça me fait 4 dégâts supplémentaires, j'avais pris 5, donc je prends 9 en tout. Et tu auras donc un Morghast avec 3 PV. C'est ça. Fin de l'étape. Il reste maintenant le Grimbras Berserker qui a peut-être retapé sur un 2+. Plus. Tristesse. Et donc on va regarder pour les comptes des points. On va tout de suite passer au décompte des points. Donc concernant la base, j'ai tué... 30 PV en tout. C'est ça, 10 Vulkits et 5 Auric, donc 30. Mon côté, j'ai perdu un Morghast 7, et j'ai perdu un petit tas de Blade Guest aussi, mais j'en ai pas perdu assez. Du coup, c'est moi qui vais remporter les points de bâche, 2 points. Par contre, pour les objectifs, celui-là a été flagué par toi au tour d'avant. Exactement. Tu l'as toujours. Là-bas, tu as 2 figurines. Ouais. Tu as 2 figurines, et donc ça fait qu'on avait un score de 5 à 2, et on passe sur un score de 8 à 6 exactement. Pour moi. Et on va passer tout de suite au jet d'initiative, le dernier du tour 4. Et je le rappelle encore. On se retrouve donc pour le début du tour 4 de mon côté. Alors, je récupère un point de commandement. Ensuite, ensuite, je suis à 9 pas de cette fosse avec mes chaînes rasp. Donc, je vais en ramener des 3. 3. Je ramène 3 chaînes rasp. Pour ma phase de héros, ensuite, j'ai mon magicien qui va cibler une unité à 18 pas. Donc, je pense qu'il est capable d'aller chercher les Vulkits. Pardon. Mmh. Et donc sur du 5, il va leur coller un moins 1 à la save. C'est un 8. Ça passe. C'est tout pour ma phase de héros et on se retrouve suite à la phase de mouvement. On se retrouve donc suite à la fin de la phase de move. Qu'ai-je fait? Mon spirit tourment a très courageusement fui ici pour aller se cacher dans le coin pour obliger un des deux héros à rester là. On se doute duquel ça sera. J'ai ramené mes 3 chain rasp que j'ai mis en cordon comme ça devant et que j'ai déplacé. Je me suis mis à 3 pas des Vulkits qui sont ici. Mon général s'est mis à 12 pas pour appliquer son malus à tout le monde, même suite au piling et au retrait des troupes.
Et c'est tout pour mon move. Ensuite, ma Banshee va crier sur le héros qui reste là. Donc, il a une bravoure à 7. Il a moins 1 par le Morghast, moins 1 par la Légion du Deuil, moins 2 par le héros. Il lui reste 2 PV, c'est ça? Il lui reste 2 PV. Donc, il a une bravoure à 3 sur du 5+. Il wipe. C'est un 11. Donc, il prend 8 BM. Ouais, et je vais utiliser l'aptitude spéciale de la bannière du Battlesmith pour faire relancer les touches et les blessures de tous les Vulkites alentour. Mais en échange, ils ne pourront plus bouger jusqu'au reste de la partie. Ah oui, quand même. Très bien. Et donc, du coup, que me reste-t-il à faire? Il me reste un point de commandement. Je vais déclarer une charge à 3 avec mes chaînes rasp. C'est un 7. Et on se retrouve au début de la phase de combat. Alors, on va passer à la première activation côté Légion du Deuil. Début de la phase de combat, j'ai payé un point de commandement pour que tous mes chaînes rasp aient une attaque supplémentaire. J'en ai 14 à porter, ça fait 42 attaques, plus le chef 43. Malheureusement, petite bêtise, j'ai laissé mon Guardian of Soul trop en retrait. Et du coup, je n'aurai pas plus 1 à la blesse. Du coup, je vais toucher sur du 4 et c'est tout. Donc, j'en ai 43. Est-ce que tu veux que j'enlève quelques dés? Oui, on va peut-être les compter puisqu'il y en a beaucoup. Donc, jet de touche scandaleux, j'en ai 29 sur les 43 qui sont passés. Donc, j'ai 29 jets de blessure qui sont pas en 3+, relance D1, qui sont que en 4+, relance D1. C'est parti. 1, 2, 3, beaucoup de 4. Il y en a un qui a tourné, je sais pas ce que c'était. Donc, ça nous fait. J'enlève ce qui est pas un 4+. Ouais, ça a l'air quand même. C'est un très bon 4+, dis-moi. C'est ça. Et donc tu as tout ça de sauvegarde. Très bien. Ça en fait 5, 10, 15, 20. 20 jets de sauvegarde. 40 attaques en fait plus que plus qu'il faut 20 sauvegardes. Ouais, mais c'était des verts qui ont complètement craqué. Et donc c'est une sauvegarde, donc tu as moins 1 à la save. Oui, et j'ai pas en bas de Suisse, donc je suis à 5 plus de sauvegarde. Et 12, ça va faire 6 morts qui vont taper du coup immédiatement. Très bien, donc pour l'activation des décédés, ils sont 6. Alors, ils vont nous taper, j'en ai 5 qui vont taper sur le Morghast et 1 qui va taper sur les chaînes rasp. On commence par le Morghast, comme le Battlesmith est mort, je vais relancer les touches et les blessures. Heureusement que je relance les touches et les blessures. Donc c'est sur du 3, c'est ça? Ouais, sur du 3, donc il y a tout qui passe. Solide. Sur du 3 plus, ensuite. On relance. Quasiment tout qui passe, donc ton Morghast pousse à 9, 11 save à faire. Je relance ces dés qui ont l'air très bons. Reine moins 1? Pas de reine. Pas de reine, donc c'est sur du 4. 1, 2, 3, il est mort. Donc le Morghast qui saute. Hop, j'ai embarqué un BA, un Vulkit. Et un dernier Vulkit qui tape sur le chaînes rasp. Ça touche. Ça me blesse, je relance. 2 save normal. Donc je suis itéré à 5 comme d'hab. De toute façon, il n'y a pas de rien. Non, un dégât. Feel no pain à 6. Oui, c'est tanké. Et ensuite, l'activation des Vulkites. Normal, je retire les morts. Ça fait donc 8 attaques, 9 attaques parce que chef est dans le tas. Sur 8, 3 plus, 3 plus. Tout dans les chaînes rasp. Ça ne passe pas. Blesse à 3, relance parce qu'il est décédé. J'ai encaissé ici. Tu vois, donc tout cette save à faire, ça fait 8 save. On dirait que ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai 8 sauvegardes éthérées à 5. Ouh, c'est mauvais. Une seule. Et ensuite, feel no pain à 6, puisque je suis à 6 pas de mon petit gars. C'est parti. Et c'est pas bon du tout, ça me fait 7 morts dans les chaînes rasp. Et je vais retirer mes pertes et on va passer à la déroute. On se retrouve donc pour la phase de Battle Shock. Donc on va commencer par, les chaînes rasp. Donc j'ai perdu 7 mecs, j'ai 10 de bravoure plus 1 parce que je suis encore plus 10 sur un 11. Donc j'en perds des 6 moins 4. Rien du tout. Et moi j'en perds des 6 plus 1 parce que j'ai 7 de bravoure. J'ai perdu 6 personnes, j'ai un moins 1 bravoure à cause de eux et un moins 2 bravoure à cause de lui. 2 et 1, il me reste 1. Petite erreur de décompte, du coup il y avait moins 3 de bravoure pour les 6, ça faisait 9, ils ont 7 de bravoure, donc ça faisait des 6 plus 2 et non pas plus 1. Donc avec le 2, les 4 derniers s'en allaient. C'est donc la fin de mon tour. Et on va passer au 4ème tour côté Fire Slayer. Et bien je vais activer ma rune de fureur qui me permet sur chaque 6 pour blesser de passer à plus 1 de dégâts, rien de spécial. Phase de héros, mon Magma Drod va essayer de lancer relance des blessures sur les mêmes, sur renforcement runique. Ça ne passe pas,
Il va tenter de lancer plus un save sur lui-même, sur un 4+. Ça ne passe pas non plus. Et c'est donc la fin de ma phase de héros. Mais on se retrouve suite à la fin de la phase de charge, carrément début de phase de combat, si on n'a pas de surprise en phase de mouille. Également, essayer d'invoquer le Molten Infernote sur un 3+. Cassé. Et ça passe, je vais l'invoquer du coup à 12 pas de moi, mais pas trop de surprise. Il va se planter sur monsieur ici. Oula, tac. Et il va avancer de 2d6. Ça devrait aller. -8. Et enfin, je vais lancer 12 dés pour ton Spirit Torment. Et sur chaque 6, on aura sa BM. Une blessure mortelle. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je ne fais qu'un seul 6, malheureusement. Mon fil nous peine à 6. Un petit peu, vraiment. Donc il prend un dégât supplémentaire et donc on se retrouve suite à la fin de la phase de charge directement, début de phase de combat. Avant la phase de charge, en fait, on avait la phase de move. Donc il s'est rapproché et ensuite il y avait un tir sur le magma drot. Ouais, qui a été oublié. C'est ça, donc tu as fait un 1 en tirant sur le spirit tourment. Ouais, donc c'est celui qui met des 6 BM, c'est ça? Oui, 3 BM. 3 BM. J'ai 6 PV il me semble. Ouais. Et si je fais un 6, il n'est pas mort. Et j'en fais 2. Et donc il lui reste donc 2. Il me reste 2 tirs de hachette ici. Donc 5. Très bien, et on se retrouve suite à la phase de charge. Suite à la phase de charge, les deux héros ont pu charger dans le Spirit Tourment. C'est donc au tour de Grimbras Berserker qui va taper en premier sur 3+. Ça passe. 3+. Et 2. 2 et celle-ci fera dégâts 3. Donc on va commencer. Une à dégâts 3 et c'est ça. Commencer par la dégâts 3. Donc okay. La dégâts 2. 1. 2 PV en moins. 2 Feel No Pain à 6. Et il est mort. Oui. Et donc, je pense que c'est la fin de ton tour, a priori. Ouais. Est-ce que tes chaînes rasp, les 7 chaînes rasp tuées, comptent en bâche? Oui. Du coup, oui. Le Morgas, c'est ses PV? C'est ça, c'est les points de vie. C'est les points de vie des figurines tuées à ce tour. Même, c'est pas les points de vie retirés à ce tour. Donc, décompte des points. Ici, bon, bah, moi, j'ai plus personne sur ce côté-là de la table. Donc, ça me fait un objectif. C'est ça. Tu possèdes les deux ici. C'est ça. Ça te fait 3 points d'objectif. Et tu me bats également à la bâche parce que je t'ai détruit 18 PV à ce tour-ci avec le Spirit Torment, le Morgast et les Selchin Rasp. Mais de ton côté, tu m'as tué 10 Vulkit et le Battlesmith, ce qui fait que tu as 25. Donc ça fait également 2 points de bâche, ce qui fait un 13 à 6. C'est ça, 13 à 6. Et donc, ce qui marque la fin de cette partie. Et je te dis merci et bien joué François. Et on se retrouve pour un petit débrief. Du coup, petit débrief, ouais, qu'est-ce que t'as pensé de cette partie? Ce fut une belle déculottée, on va dire. Oui, c'est un petit peu... Non, je suis content de ce que j'ai réussi à faire avec ce qui m'était permis de faire, on va dire. Voilà. Je n'aurais peut-être pas dû prendre le tour 1, ce qui m'a exposé un double tour, ce qui m'a un petit peu défoncé dans la game. Mais quand on est Fever Slayer, on aime bien être groupé, on aime bien avoir ses buffs, on aime bien avoir ses gens directement sur la table. Et non, franchement, je suis plutôt un peu déçu des GTD. Bon, c'est le jeu, ça arrive, on fait ce qu'on met avec ce qu'on a. C'est vrai, ouais. Moi j'ai été un peu hésitant quand je t'ai vu prendre le tour. Je pensais vraiment que tu allais me le laisser parce qu'en fait, moi j'avais mis les fosses de telle sorte à pouvoir faire un gros écran pour récupérer les deux objets. Sauf que ça m'exposait, on va dire, à une grosse charge que je pouvais pas éviter. Et le magma drot, lui qui se déplace de 12, c'est ça? Ouais, 12, plus du coup le voilà. Plus éventuellement, t'aurais peut-être collé la run de mouvement T1. Ouais, en général, je ne la pose pas T1 parce que le problème, c'est qu'au T1, on n'a pas énormément de mouvements à faire, on va tout droit vers l'objectif. Il n'y a pas grand-chose, surtout au T2 où ça devient plus important, surtout pour les renforts et faire ça en quête de mouvement. Donc les renforts arrivent parfois un peu loin, donc je préfère garder la ruine de mouvement pour le T2. C'est ça, puis en plus, avec tes Vulkits, c'est vrai que pour toi, c'est important que tu puisses charger. On arrive assez loin de l'adversaire, donc c'est plus utile. Ouais, avec tes BM à l'impact, etc., c'est vrai que ça fait des blagues. Ouais. Mais il n'y a pas eu de BM à l'impact parce qu'il n'y a pas eu de charge des Vulkits. Une BM sur les Morgas. Ne divisons pas leur mérite. donc voilà, non, bon après sur la partie, je sais pas trop. C'est vrai que moi j'ai un peu pris le pari d'abandonner le milieu parce que j'ai vu un pack de Vulkits qui au final, je me suis dit de toute façon pour aller quelque part, il va lui falloir largement un tour et demi ou deux tours. Ouais. Donc j'ai un peu abandonné. C'était la meilleure chose à faire de diviser mon armée. Si en fait, si on était sur le milieu et la droite, là, tous mes gens peuvent être plus groupés, c'est beaucoup plus facile. Là, tu étais sûr que même si mon magma drot et mon berserker arrivaient à tuer tous tes bad guys, etc., il leur faudrait beaucoup de temps pour revenir t'aider, quoi. C'est clair. Et ouais, bah, du coup, ça t'a aussi obligé,
non dans le cœur du sujet, ça t'a obligé à t'éloigner de ta forge, oui. Ce qui t'a pas aidé à passer tes prières. Oui, j'ai tout raté toutes mes prières deux tours de suite, je crois. En soi, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose parce qu'au final, je tuais les trucs ou tu ne faisais pas grand-chose, donc ça n'a rien changé. C'est plus que psychologiquement, c'est dur de rater toutes les prières deux tours de suite. Et mais ensuite, c'est le problème des Fire Slayer, surtout en petit engagement, surtout sur ce scénario-là. L'armée est relativement lente, si on n'a pas de course plus charge, c'est difficile. Et du coup, je ne peux pas être partout à la fois. Il y a des choix à faire. Et je pense que j'ai fait le bon choix en mettant le Magma Drot et le Grimoire Berserker sur 10 pauvres Blade Guests et un Spirit Torment. Ouais. Mais je ne m'attendais pas à rebondir là-dessus, à rater tous mes jets de lave, avoir tous tes 4 saves réussis sur Game Brass, qui oublie de taper un autre tour. C'est ça, le souci, c'est toujours pareil en fait. C'est que quand on a une save éthérée à 4, le mec arrive, ça règne moins 2, moins 3. Si tu, passes ton dé, il se passe rien. Mm-hmm. Si tu passes pas ton dé, tout va. Tout le monde meurt parce que t'as 5 PV pour 90 points. C'est exactement ça. Donc c'est clair que c'est archi frustrant dans les deux sens. Mm-hmm. Quand on passe pas ses saves, le pack ne tient rien. Et quand tu passes, quel que soit le truc qui te tape dessus, tu risques. Ça encaisse. C'est passé quand le Magma Drot, il a foutu littéralement 0 dégâts dessus. Ouais, il a rien fait pendant un tour, alors que le tour d'après, il a tué 7 Blade Guests sans effort en étant relativement en stats. Quasiment. C'est ça, c'est quand les saves passent pas, tu prends tes dégâts et ça pète quoi. Et le Grimras compte beaucoup sur la reine -2 pour vraiment impacter et faire très mal. Et du coup, j'ai une liste avec pas mal de reines un peu partout, avec les boucliers, avec la rune, le Magma Drot, le Grimras. Contre toi, c'est une fallait saturer et mon armée n'est pas faite sur la saturation d'attaque. C'est clair. Après, sur ma liste, si on rentre un peu dans de l'opti, c'est la première fois que je jouais la Banshee vraiment dans une optique de debuff, etc. Elle est bien sur une armée avec tous les malus de bravery que tu fais et le fait que j'ai une bravery de 7 en moyenne, ça tape très fort. Le moins 4, on voit que sur le deuxième, là, en fait, elle aurait pu le one-shot parce qu'elle lui a claqué 8 BM. Potentiellement, c'était un one-shot de n'importe quel héros. Quoi. C'est ça. Et donc, pas d'atto sur Messire là-dessus en plus. Non, pas un tir. Il n'y a pas un tir, donc t'as une grosse portée, il n'y a pas d'atto sur Messire, je te reporte les blessures. Voilà. L'immune Battle Shock, ça n'a rien contre ça. Non, c'est ça. Et en plus, c'est pas un truc qui synergise vraiment énormément à 1000 points, parce que tu peux pas caler autant de debuffs que tu le feras à 2000. Ouais, je pense au Purple, je pense à l'Orgasme, des choses comme ça. Ouais, mais ensuite, je pense que trop de debuffs, ça devient de l'overkill. Là, 3 ou 4 points de debuffs, ça suffit largement à bien entamer tout ce qui bouge. C'est clair. Après, voilà, si je me dis que si je tombe contre du démon, du séraphon ou des blagues comme ça, il faut y aller un peu plus. Et c'est vrai que moi j'avais bien envie de partir sur une liste avec 3-4 Banshee, des trucs qui écrit partout. Là. Je t'avoue que j'en ai eu peur, la Banshee, et au final elle s'est bien rentabilisée. Elle a tué un héros, elle a tué 3-4 Vulkit. C'est ça. Donc franchement, la Banshee c'est pas bien. Voilà. Elle a combien de points en plus? 80 points, ça coûte rien. Franchement, c'est bien. Ça coûte rien, c'est clair, ça coûte 10 chaînes races. Bon, après, ils sont monstrueux, les chaînes races, toujours pareil. Il n'y a pas de surprise. Ils ont tout déchiré dès qu'il y a un petit peu de soutien derrière. Même le Vulkit à 3 plus de save, il s'est fait déglinguer. J'ai du mal à comprendre que ça soit si peu joué, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est 80 points, t'en sors 40 pour 280, tu les ramènes tous pour un PC. C'est résistant parce que la 5 plus éthérée, ça peut être absolument monstrueux. Je suis joueur d'Aitonite aussi, donc je joue les chaînes races, j'ai un pack de 40, je sais ce que ça fait. Et à chaque fois, les adversaires sont en mode c'est super fort. Si tu les one-shot pas direct, et à 1000 points, il n'y a pas grand-chose qui peut déglinguer un chaîne race direct, sauf sur un double tour. Ou un petit Durtu. Ouais, un petit Durtu, mais encore le Durtu, sur t'as une chance sur 3 d'annuler ses 6 dégâts. C'est clair. Non, franchement, chaîne race très fort, la liste, t'as une bonne liste sans être un truc opti en mode regarde ma liste cancéreuse, tu vas pas t'éclater. Les Morghasts, c'est du bonus, c'est pas si fort que ça. Ouais, c'est la garantie, je suis là pour m'amuser, mais toi aussi. Ouais, c'est ça. c'est le truc à rentrer pour pas se faire pour garder des amis. Voilà, pour que les mecs se disent bon d'accord, il a fait un effort. Ouais, non, franchement, ce truc dont je suis déçu, c'est le tour où je ne fais rien, qui a rebondi sur Blade Guest. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense que la partie aurait été plus équilibrée parce que j'aurais pu revenir. Ah, parce que concrètement, la partie, on va dire qu'il y a eu 3 tours d'actifs. Ouais. Si t'en perds un, t'es mort. À 5 tours, j'aurais pu revenir, faire plus de morts, faire quelques points. C'est clair. Mais là, non. Mais bon, de toute façon, il y a plein de parties que vous allez perdre, ou vous allez gagner avec des GD. Parfois, c'est avec la strat, parfois, l'adversaire fait des erreurs. Mais les GD, ça arrive aussi. Et à 1000 points, quand il y a moins de GD lancés, quand il y a plus d'actions critiques qui reposent sur un GD, ça arrive plus souvent. En 2000, ça arrive rarement de perdre parce que tu as tout foiré sur un tour.
mais à 1000 ça peut arriver un peu plus souvent. Bon, ben bah, écoutez, en tout cas, moi, bonne partie, c'était vraiment cool. Ouais, j'espère que ça vous a plu, vous n'êtes pas trop déçus de. Parce que j'ai de voir gagner, c'est vrai que c'est pas souvent. J'ai cru comprendre que les Fierceyeurs parfois étaient un peu demandés, et là, du coup, ils sont arrivés, ils sont chez. Je pense qu'ils sont bien meilleurs à 2000 points, toutes les synergies d'armée qu'il y a, etc., ne serait-ce que les runes. À 1000 points, honnêtement, ils sont bien parce que les synergies que tu as à 2000, tu les as déjà mis. Tu as le Battlesmith, tu as les prières, tu as les runes. Donc à 1000 points, ça peut être très fort. Le problème, c'est sur les tables trop grandes où il n'y a pas de quoi venir. Ensuite, je joue pas avec la course de charge, je joue pas avec les berserker, j'ai pas le staff en phase de combat. C'est pas la liste monstrueuse. Ouais, c'est une liste qui est un peu en mode si t'as pas de BM et que t'as pas de reine, tu vas souffrir parce que j'ai des bonus de jusqu'à plus 3 en sauvegarde d'armure avec le Battlesmith, le Magma Drod, sa prière, son activité, sa capacité spéciale que j'ai pas utilisé de la partie parce qu'il y avait que lui pour en profiter. Ouais. Et je voulais que tu me laisses. Mais ça, tu l'as raté. Je ne voulais surtout pas taper avec mes blagues. C'est ça. Ouais. Bon, bah écoutez, je sais pas si t'as un petit truc à rajouter. Non, j'ai rien à ajouter. C'était une bonne partie. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Exactement. Mais j'espère que ça vous a plu aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Et j'espère revenir aussi. Évidemment. Ciao, ciao. Au revoir.